Arrête avec l'hypocrisie. Arrête de salir les autres pour tes propres intérêts. Dieu va te punir. Dieu va te punir. Comment c'est toujours toi qui cours en premier là pour te justifier. Tous ces mondes là que toi tu as eu des problèmes avec eux, j'ai jamais vu ces gens là passer à la télé pour se justifier, hein. Mais c'est toujours toi. Alors arrête. Franchement, tu dois arrêter, quoi. Ce n'est pas du tout gentil. Et tous ces pays ici-bas. L'Europe que toi, tu as toujours rêvé, malgré tout, tu as rencontré des mensonges devant la caméra, tu as tout nié. Oh là là. L'Europe que toi, tu as toujours rêvé pour venir, l'Europe que toi, tu m'as toujours forcé de tomber enceinte pour accélérer tes démarches. Tu as fait pareil avec Didier Masuki, non? Aujourd'hui, les messieurs est salé sur Internet. Mais les gens ne connaissent pas la vérité. Mais toi et moi, on connaît la vérité. Toi et moi, on connaît la vérité. Et en ces moments-là, moi, j'étais là, je te soutenais, je disais que non, comme ça. Alors, je ne savais pas que un jour, ça pourrait aussi tourner contre moi. Et c'est ce que tu as fait. Et tu sais très bien que l'image que tu donnes sur Internet, que tu es un garçon qui ne parlait pas beaucoup, je suis bien, moi vraiment, tu sais que tu n'es pas comme ça. Tu n'es qu'un hypocrite. Un hypocrite tout à fait. You are hypocrite. Tu dis que moi je vais te salir sur Facebook. Arrête de m'emmêler dans tes bêtises parce que tu es conscient que moi je n'ai pas le temps pour ça. Si je veux t'attaquer, je vais venir chez toi. Ça là, ce sont les gens qui connaissent comment tu amènes ta vie. Alors ne m'emmêle pas dans tes bêtises. Si toi tu le fais, ne pense pas que c'est tout le monde qui peut le faire aussi. Tu sais que toi tu le fais, non? Moi et toi on connaît. Tu sais l'histoire des faux Facebook. C'est pour cela que je disais que tu es prêt pour salir la réputation des autres, mais garder ta réputation. Parce que moi et toi, on connaît que toi, tu es capable de faire ça. Et puis, tu l'as déjà fait. Tu connais le problème qui s'est passé, l'histoire du Facebook. Tu le sais très bien. Alors, ne me cherche pas de problème. Je te mets en garde. Ne me pousse pas au bout. Ouais, jeune fille, au commun. Aux allons en garde du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui t'a la marcadé. Poissonnier. Bandaga Gomata, Netozoya Satorus. Oyango, Awatoza, et ça entre Marcadé, Poissonnier, dans métro Satorus. Bandaga Gomata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, au monde drapeau, il y a RDC Congo. Au monde Awatoza, et ça va en salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Tianifai, et l'autre, le Kiliboumou. Exactement. Est-ce que nous yaka milo comme ah tout ça et c'est comme sukodo en gros en détail. Bien on a hier. Ah ouais bah voilà ah tout ça ah tout est caillé en gros et en détail ce type ah tout ça donc ça va aussi bah ça y est ah va pina du ça na c'est bon comme ici tout ah na chapeau rouge le dote est capable d'en gros et en détail ça aussi même il a tant mon corps le dote là n'a rien à dire donc bah prix au et ça ah va rien à dire donc bah écart en moulaï ce dote là bleu à bleu ça bleu à bien y a bio. Il y a 5 euros.
Tu sais que je ne suis pas mal éduquée. Je ne vais jamais passer à la télé pour t'insulter ou dire des gros mots contre toi. Moi, je ne le ferai jamais. Et aussi, entre toi et moi, nous deux, nous sommes conscients. Là où tu te trouves, tu es conscient. Et là où moi je me trouve, je suis consciente. Ta conscience, tu ne vas jamais le tromper. Tu peux dire tout ce que tu peux dire. Moi, je te connais très bien. Moi, je te connais assez. Je ne sais pas. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable de tout faire pour salir les autres, mais garder ta réputation. On se connaît. On se connaît. Parce que tu as fait pareil avec les autres. Et en ces moments-là, moi, j'étais là pour te supporter. J'étais là à côté de toi pour t'encourager. Alors, je ne savais pas qu'un jour, tu pouvais aussi faire pareil avec moi. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Et aujourd'hui, tu as fait pareil. Je sais que tu es capable. Et je répète que tu dois vraiment, vraiment faire gaffe. Vraiment, tu dois faire gaffe. Parce que on se connaît. Entre toi et moi, on se connaît. S'il faut même que je puisse déborder, je ne le ferai pas en public. Jamais je veux le faire. Je ne vais pas faire comme les autres. Je ne le ferai pas. Si même je veux le faire, ça va être en cachette entre toi et moi, entre nous. Si tu vas déborder, moi je vais déborder entre nous. Et puis c'est fini, c'est fini. Mais je ne le ferai jamais en public. Je sais que tu es en train de faire des choses comme ça pour me provoquer. Parce que tu connais que je suis quelqu'un où I've got short temper. You know, I've got short temper. Alors, toi, moi, tu sais que je suis comme ça. Tu viens, en fait, me provoquer. Tu sais que quand tu vas me provoquer, moi, je vais réagir. Et c'est par là que toi, tu vas avoir raison. Mais moi, je ne vais pas te donner. Je ne vais pas te donner ça. Tu n'auras pas la chance. Dans la vie,
il faut savoir être reconnaissant dans la vie. On doit être reconnaissant dans la vie. C'est très important. Même si on t'a donné £1, même si quelqu'un t'a donné £1, tu dois être reconnaissant. Tu connais très bien qui je suis. Tu peux passer à la télé. Ta conscience, tout ce que tu viens de dire, ta conscience, là où tu te trouves, ça te réproche. Et puis tu sais pourquoi tu l'as fait? Juste pour garder ton image. Mais que Dieu te pardonne. Pourquoi? Parce que tu préfères de salir les autres, mais garder ton image. C'est là où le problème. Tu as fait pareil avec Didier Masuki, non? Aujourd'hui, les messieurs est salé sur Internet. Mais les gens ne connaissent pas la vérité. Mais toi et moi, on connaît la vérité. Toi et moi, on connaît la vérité. Et en ces moments-là, moi, j'étais là, je te soutenais, je disais que non, comme ça. Alors, je ne savais pas qu'un jour, ça pourrait aussi tourner contre moi. Et c'est ce que tu as fait. Et tu sais très bien que l'image que tu donnes sur Internet, que tu es un garçon qui ne parlait pas beaucoup, je suis bien, moi vraiment, tu sais que tu n'es pas comme ça. Tu n'es qu'un hypocrite. Un hypocrite tout à fait. You are hypocrite. You are hypocrite. Tu as toujours tendance de tourner les gens vers le dos. Toi, tu as toujours été parfait. Toi, tu fais jamais du mal. Toi, c'est toujours que toi, on blesse. C'est toujours toi qu'on raconte de mensonges sur toi. C'est toujours toi qu'on fait. Donc, toi, c'est toujours toi qui es parfait. Mais non, 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 non. Mais non. Mais non. Et puis, tu sais pourquoi? Tu voulais pas que moi, je sois en contact avec les gens. Parce que tu savais que à travers ces gens, je vais apprendre beaucoup de choses. Et c'est aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Tous ces pays ici-bas. Tous ces pays ici-bas. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Je ne vais pas toucher des points sensibles. Tout ce que je t'ai dit, tout s'est payé ici-bas. Ce n'est pas grave. Bravo à toi. Bravo. Mais avant, je pensais que tu le faisais qu'avec les autres. Je ne savais pas qu'un jour, avec moi aussi, tu pouvais faire ça. Mais que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Tout s'est payé ici-bas. Alors, fais gaffe. Ne m'amène pas au bout. Parce que toi et moi, nous sommes conscients. Tu ne vas jamais tromper ta conscience. Tu es conscient. Tu es conscient. Tel que tu es là, tu ne vas jamais passer à la télé pour dire que, regardez, moi, comme vous me voyez là, je faisais ceci, je faisais cela, je faisais ceci, je faisais cela. Tu ne vas jamais dire ça. Jamais. Tu vas tout cacher. Comme je dis, je te connais très bien. Je te connais très bien. Très, très bien. Tu es capable de garder ta réputation pour s'allumer. Tu préfères de salir les autres. Je te connais très bien. On se connaît. On se connaît parce que les choses là que tu es en train de faire, tu le faisais avec moi, je te disais comme ça, voilà, voilà. Alors que j'ai oublié que ça tourne, hein, c'est comme si c'est un panier qui circule là. Je ne savais pas qu'un jour, tu pouvais aussi me faire ça. Ça ne me surprend pas. Je ne suis pas surprise en fait. Mais, tout se paye ici-bas. L'avenir nous donnera raison. Un jour. Un jour, aujourd'hui,
Monsieur Dudu Masuki, il est salé sur Internet à cause de toi. Je l'en disconvie pas. C'est vrai que le monsieur vous faisait travailler, il n'y avait pas de salaire. Mais, à part ça, tu sais qu'il y a eu des choses que toi tu as fait contre ce monsieur, où tu es allé même payer de l'argent rien que pour salir son image. Moi et toi, on connaît cette vérité, non? On connaît la vérité. Moi et toi, on connaît cette vérité, non? Moi et toi, on connaît. Rien que pour salir les messieurs. Tu connais ça, non? Si aujourd'hui, je prends des vérités, pourquoi Julien, il a perdu son site? Moi, je ne savais pas. Mais toi, tu connais. Donc, c'est toujours toi qui es bien, c'est les autres qui sont mauvais. Change. Arrête l'hypocrisie. Show people who you are. Show people who you are. Stop being an hypocrite. Fais gaffe, ne m'amène pas au bout. Fais gaffe. Si toi tu es mieux placé pour me détruire, je suis aussi mieux placé pour te détruire. Arrête de montrer l'image que tu n'es pas. Tu donnes l'image. Donc, moi, c'est moi qui est bien. Donc, c'est toi. Donc, toi, c'est tout le monde qui sont mauvais. Tu as toujours tendance de passer là pour te justifier. C'est comme si un enfant, un orphelin là, donc c'est toujours toi. Arrête. Arrête l'hypocrisie. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Tu sais très bien tout ce que tu montres là. L'image là que tu montres là, ce n'est pas ce que tu es. Moi et toi, on connaît. Un hypocrite. Hypocrite. C'est pas normal. Comment toi, comme tu es là, comment tu peux toujours vouloir salir la réputation des autres, mais garder ta réputation? Comment ça? Et tellement tu sais que moi, je ne peux jamais passer à la télé. Because you know who I am. Tu sais très bien que je ne vais jamais le faire. Et c'est la raison pour laquelle tu t'es senti libre de dire de n'importe quoi, de dire de mensonge parce qu'elle ne va jamais passer à la télé. Attention, je peux changer aussi. Je peux aussi changer. Je peux changer. La preuve en est que maintenant, là, je suis en train de parler et ça va passer sur Internet. Alors, fais gaffe. Parce que la prochaine fois, ça ne sera plus comme ça. Ça ne sera plus comme ça. Ça, je te le promets. Ça, je te le promets. Et puis, sache-le bien que tout se paye ici-bas. Tout ce que nous faisons, on ne va jamais aller le payer au ciel, ni dans l'enfer. On va le payer ici. Et puis, tu es toujours la première personne à courir là, faire les émissions pour se justifier. Come on. C'est toujours toi. À chaque fois qu'il y a un problème, tu es toujours la première personne à courir là, dans l'émission, t'es justifié, comme ça. Avant, tu le faisais. Parce que j'étais avec toi. Je t'ai supporté. Alors, je ne savais pas qu'un jour, tu allais faire pareil aussi avec moi. Je ne savais pas. Hein? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. C'est anormal. C'est anormal. De te voir là, raconter de n'importe quoi. Shame on you. Shame on you. Hypocrite. Show people who you are. Stop being a hypocrite. Stop it. C'est toujours toi qu'on raconte de mensonges sur toi. C'est toujours toi qu'on blesse. C'est toujours toi qu'on cherche des problèmes. Arrête. 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 Tout ce que tu viens de parler,
Je veux pas toucher tout sur tout le point. Je veux pas toucher. Mais fais gaffe. Ne m'amène pas au bout. Parce que si moi, je prends mon temps de passer dans l'émission, je commence maintenant à expliquer aux gens les choses que moi et toi, on connaît que c'est ça la vérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être on va être la première personne où ils se sont séparés sur Internet. Ils ont dénoncé les choses qui ont fait de dégâts. Alors fais gaffe. Fais gaffe. Les gens qui te regardent, ce sont des innocents. Ils ne savent rien du tout. Mais moi qui te regarde, ça m'étonne de voir quelqu'un qui est en train de mentir comme il respire. Mais toi, tu fais peur, toi. Tu fais peur. Franchement, tu fais peur. Oh là là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hein? Tu es là sur ton Facebook. Les gens te font des reproches. Tu rentres là, tu insultes des gros mots. Les trucs de maman, les trucs de papa comme ça. Tu bloques des gens. Et puis tu vas tourner. Anyway, listen. J'ai l'interdiction de toucher le point sensible. Alors, ne me pousse pas au bout. Fais gaffe. Fais gaffe. Moi et toi, on connaît la vérité. Moi et toi, on connaît la vérité. Alors, fais gaffe. Fais gaffe. Ce n'est pas possible. Comment c'est toujours toi qui cours le premier pour te justifier? C'est toujours toi qu'on fait du mal. C'est toujours toi qu'on maltraite. C'est toujours toi, c'est toujours toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tous ces mondes-là que toi tu as blessés, j'ai jamais vu ces gens passer à la télé pour se justifier. Et c'est la même chose que tu fais, tu veux faire avec moi. Ah mais il faut avoir pitié, hein. Franchement, deux fois, il faut avoir pitié là. Il faut avoir pitié. T'as pas un cœur ou quoi? T'as pas un cœur ou quoi? Que Dieu te pardonne. Moi, je peux me mettre là à tromper les gens, tant si tu peux le faire, mais Dieu connaît la vérité. Toi et moi aussi, on connaît la vérité. J'ai l'interdiction de toucher le point sensible. Je le répète. Alors, ne me pousse pas au bout. Sinon, je risque de désobéir. Et ça va pas être bon. Et arrête aussi de montrer l'image que tu n'es pas. Parce que ce que tu montres à la télé, c'est pas ce que tu es. Le monsieur, comment on appelle, Ken Pina, il a raison. Il a raison. Toi, tu es là où tu es. Tu es conscient que ce que tu montres à la télé, ce n'est pas ce que tu es. Moi, je passe par la télévision. Je répète, je ne suis pas chroniqueuse, je suis ni journaliste. Je ne connais même pas comment on doit toucher les micros et puis commencer à parler, poser des questions. Je ne connais même pas. Je ne connais pas. Mais toi, tu le fais. Alors, l'image que tu dois montrer...
Oh my god. Okay, that's fine. Mais tous ces pays ici-bas ne me poussent pas au bout. Ne me poussent pas au bout. Si vraiment toi tu vivais avec moi dans la vérité sans hypocrisie, on n'allait même pas faire 6 mois avec toi. Même pas. Tu m'empêchais, tu ne voulais pas que je sois en contact avec les autres sur internet parce que tu savais que j'allais découvrir beaucoup de choses que tu fais. Tu savais ça très bien, que j'allais découvrir beaucoup de choses. Des ans passés, tout ce que tu rencontrais sur moi, j'étais avec toi, tu me montrais l'amour et tu... Oh là là, tu es vraiment méchant. Mais ça m'étonne de te voir devant la télé dire de n'importe quoi. Tu modifiais les choses, dire de n'importe quoi, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Tu as aussi des petites sœurs, tous ces pays ici-bas. Tous ces pays ici-bas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Comment tu peux avoir un mauvais cœur comme ça? T'as un cœur de Satan, toi. T'as un cœur de démon. Double face. Tu as un visage où tu montres dans l'internet et puis tu as un visage où tu un visage caché en dehors de l'internet, en dehors du caméra. Hypocrite. Parce que les gens te regardent et te connaissent pas. Tu vois tous ces gens là, ce sont des innocents. Que ce soit les gens qui sont contre toi, que ce soit les gens qui sont pour toi, tous ces mondes. Ce sont des innocents. Arrête avec l'hypocrisie. Arrête de salir les autres pour tes propres intérêts. Dieu va te punir. Dieu va te punir. Comment c'est toujours toi qui cours qui cours en premier là? Pour te justifier. Tous ces mondes-là que toi tu as eu des problèmes avec eux, j'ai jamais vu ces gens-là passer à la télé pour se justifier, hein? Mais c'est toujours toi. Alors arrête. Franchement, tu dois arrêter, quoi. Ce n'est pas du tout gentil. Et tous ces pays ici-bas, ta conscience, tu vas jamais le tromper. Ta conscience, c'est bien bon de se mettre là à parler. Mais ta conscience, tu sais très bien que ça, ce que je suis en train de dire, c'est faux. Je le fais pour garder mon image. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Tu seras puni, toi. Et puis tu vas le payer un jour. Un jour, tu vas payer ça. Ce n'est pas normal. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne, je suis vraiment étonnée là. Je me demande, mais comment il peut faire ça? Parce que moi là, je suis incapable de faire ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle je me disais que tu es prêt pour tout. Garder ton image, mais salir les autres. Moi, je ne peux pas te salir. Mais que Dieu te pardonne. J'insiste que Dieu te pardonne. Parce que le Dieu que toi tu pries, c'est le même Dieu que moi je prie. Moi je peux tromper les gens, toi tu peux tromper les gens. Mais Dieu, on ne va jamais le tromper. On ne va jamais le tromper. Jamais. Parce que lui, il voit tout. Même tout ce qui est caché au fin fond de ton cœur. Même tout ce qui est caché au fin fond de mon cœur. Lui, il voit tout. Et il...
connaît comment il va payer chacun de nous. Et il connaît comment il va nous payer. Je n'ai rien à perdre. Par exemple, comme quoi, je vis en Europe, l'Europe que toi, tu as toujours rêvé, malgré tout, tu as rencontré des mensonges devant la caméra, tu as tout nié. Oh là là, l'Europe que toi, tu as toujours rêvé pour venir, l'Europe que toi, tu m'as toujours forcé de tomber enceinte pour accélérer tes démarches. Je vis en Europe. Je fais mes études que toi, tu avais arrêtées. J'entre de continuer de faire mes études. Je fais mon temps partiel, my part-time job. And I'm fine. I'm trying to prepare my life. I don't have nothing to lose. Je n'ai rien à perdre. Rien du tout. Comme quoi, par exemple, que moi, je vais perdre. Je n'ai rien à perdre. Rien, alors rien. Change. Tu es conscient que tout ce que tu as raconté, you are a liar. You are a liar. Menteur que tu es. Moi, je ne suis pas journaliste ni chroniqueuse. Moi, même si tu dis n'importe quoi contre moi, comme tu l'as fait, le matin, je vais m'enfermer dans ma chambre. Je suis en train de manger, je regarde la télé, je suis en train de faire mes choses. Mais toi, le lendemain, tu auras besoin de prendre ton micro et parler aux gens. Alors, fais gaffe. Fais gaffe. Parce que si je prends mon temps ou je décide de parler parce que c'est ce que je voulais faire, mais mes vrais m'ont interdit de ne pas le faire. Tu n'es même pas digne même de faire ces vérités en face parce que tu es un hypocrite. Si toi vraiment tu vivais avec moi dans la vérité, sans hypocrisie, je ne pense même pas en aller faire 6 mois avec toi. Tu es tellement malin que tu as fait des grandes choses, tu as dit beaucoup de choses et je t'en prie en retard à la dernière minute. Ce n'est pas grave. La vie continue. Tu vois, la vie continue. Et tous ces pays ici-bas. Fais gaffe. Ne me pousse pas au bout. Sinon, fais gaffe. Fais ta vie. Continue ta vie. Je fais ma vie aussi. Chacun de nous est en train de faire sa vie dans son coin. Et puis, dans le calme. Quand tu dis que moi, je veux te salir. Moi, je vis avec toi au Congo. Tout ce que tu fais là-bas, moi, je connais. Les mêmes gens-là que toi, tu partais pour dire n'importe quoi. Pour ton information. Ce sont les mêmes gens-là qui font de... Qui ont voulu te salir. Alors, fais gaffe. Faut pas m'emmêler dans tes stupidités là. And I don't want that. I'm warning you. I am warning you. So be very careful. Tu dis que moi je vais te salir sur Facebook. Arrête de m'emmêler dans tes bêtises. Parce que tu es conscient que moi je n'ai pas le temps pour ça. Si je veux t'attaquer, je vais venir chez toi. Ça là, ce sont les gens qui connaissent comment tu amènes ta vie. Alors ne m'en mêle pas dans tes bêtises. Si toi tu le fais, ne pense pas que c'est tout le monde qui peut le faire aussi. Tu sais que toi tu le fais, non? Moi et toi on connaît. Tu sais l'histoire des faux Facebook.
C'est pour cela que je disais que tu es prêt pour salir la réputation des autres. Mais garder ta réputation. Parce que moi et toi, on connaît que toi, tu es capable de faire ça. Et puis, tu l'as déjà fait. Tu connais le problème qui s'est passé, l'histoire du Facebook. Tu le sais très bien. Alors, ne me cherche pas de problème. Je te mets en garde. Ne me pousse pas au bout. Ne me pousse pas au bout. Fais ta vie. Continue ta vie. Moi et toi, il n'y a rien, mais je te demande seulement de payer l'argent de laptop, le caméra et les téléphones. C'est tout. Parce qu'entre moi et toi, il n'y en a plus rien. Fais ta vie. Moi, je suis en train de faire ma vie. Happy life dans mon coin. Do yours. That's it. End of story. La mignonne. Tressimbelenga, bro. Tressimbelenga, bro. Gata.